Oui. Je peux vous prendre une cigarette? Vos bras? Vous avez coupé les veines? Ouais, ça fait un peu con. Non, pas du tout. C'est triste à votre âge. C'est ma 5e TS. C'est pas des vrais suicides, c'est des appels au secours. Et il y a quelqu'un qui vient? Pas trop. Concierge. Des fois qu'appelle le SAMU. Et vous? Vous êtes fou? Ah non. Non, non, non. Ouais, c'est une erreur judiciaire. Ouais. Vous en voulez? Ils ont oublié de me fouiller. Vous m'avez pas l'air bien folle. Et j'en connais un rayon. Vous m'avez l'air soucieuse. Non, ça s'est pas très bien passé avec la psy. J'étais idiote. Pas contente de vos réponses. De toute façon, j'ai le suprême orgueil de pas vouloir en avoir. Bah, si ça peut vous rassurer, moi non plus, ça s'est pas bien passé. Une semaine de cours. Ah, vous étudiez quoi? Le cinéma. J'aimerais être comédienne. Et ça marche? Non. Je n'ai aucun talent. Donc je rate toutes mes auditions consciencieusement. Il n'y a rien qui sort. Aucune sensibilité. Aucune émotion. Bref, une coquille vide. Et il en pense quoi, votre amoureux? Mon amoureux est un mec horrible. Il vit en province. Je vis à ses crochets. Il m'a loué un superbe appart à Saint-Germain-des-Prés. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis tous ses espoirs et je fais tout pour le décevoir. Et vous, faites quoi dans la vie? Je suis altiste. Ah, dans un orchestre? Non, j'ai pas l'esprit de groupe. Et c'est bien l'alto? Oui, c'est varié. Faites voir vos mains. Vous n'avez pas des mains de violoniste? Non, j'ai les mains de mon père. Et vous voulez pas qu'on se tutoie? Non. Enfin, désolé, mais vous allez commencer par me tutoyer. Au bout d'un quart d'heure, vous allez me tirer par la bite. Je vais me sentir obligé, on va coucher ensemble, tout ça. Et j'ai pas la force d'avoir une relation avec une femme. Surtout de votre âge. Mais on se voit alors? Oui, c'est mieux.